Dites-moi, monsieur le PDG de la distillerie, pouvez-vous dire bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming? Ou juste dit bonjour à YouTube. Il est mort. Le mec il va plus. Ça y est, il est bourré. Ah ça y est, j'en ai saoulé un de plus. Et sans alcool. Il m'a mieux offert. Ouais. Alors attends, déjà maintenant faut qu'on se marque les. Il faut qu'on se marque les trônes. Il y a Cannon Cove. Avant-poste Plunder, il y en avait un ici. Ah. Sérieux? Non pas. Ah non, ici c'était Daggertooth. Ah oui, ok. Monsieur le PDG, vous êtes revenu? Oui, je suis là, je suis là. Ah super, on t'entend. Est-ce que tu peux dire bonjour YouTube? Salut YouTube. Voilà. Bon, je vous propose de marquer les emplacements sur la carte des différents trônes. Il y en a un à Plunder Valley. Plunder Valley, je crois que c'est un des... C'est un des avant-postes du nord, mais je suis pas sûr. C'est un outpost, mais... C'est un avant-poste, ouais, ouais, mais du c'est... Du sud. Ok, vas-y, on va se marquer ça. Mais je crois que t'attends dans le nord. Cannon Cove, c'est où? C'est... Ah, là, c'est... Il est là. Avant-poste Plunder. Avant-poste Plunder. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok, je nous ai marqué au passage aussi les squelettes. T'as fait, toi, T'as fait les trônes squelettes, toi? Les trônes à un joueur? Alors, j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait ceux du bas. Ok, d'accord, bah d'accord, nous on a... Je peux avoir une direction. Ok, bah tiens, prends plein ouest, il y a Cannon Cove, plein ouest, Maître Bob, s'il vous plaît. Donc il y a Cannon Cove, je me rappelle, il y a quoi d'autre? Il y a Cannon Cove, il y a Plunder, il y a Shipwreck Bay, Smuggler Bay, voilà. Que des trucs Bay. Attendez, alors... Machin en Bay. Smuggler Bay qui est tout au nord. Oh putain, ça va être un gros morceau à faire celui-là. J'ai dit qui d'autre? Plunder, Shipwreck. Ah oui, il y a Shipwreck Bay, bien sûr. Shipwreck Bay ici. Ah bah tiens, tu peux... Tu te rappelles de Shipwreck Bay, mon Bob? Vas-y. Vas-y. C'est l'île qui est à ta droite, monsieur. C'est l'île à ta droite. Ouais, ouais. Et il y a la Marauders Arch. Et ensuite, Marauders Arch, tout au nord, donc qu'on avait trouvé aussi. Tu sais, c'est là où on a pris nos coffres. Donc, ok, go. Go. Donc, du coup, le seul trône squelette que t'as pas fait... Les trônes squelettes que tu n'as pas fait, PDG, c'est lesquels? Si tu fais tab et que tu cliques sur ton truc, il va te dire ce que t'as fait de ce que t'as pas fait. Tu sais, j'en ai fait que deux. Lesquels, s'il te plaît? C'est... Ça t'est dit si tu fais... Chief Even. Hop là. Et merde. Bon bah Bob, j'ai été kick. J'ai fait alt-tab, comme un gros con. C'est sérieux? Ah bah oui. Donc maintenant il faut que je te rejoigne. Tu peux nous rejoindre? Ouais, je peux vous rejoindre. Bah il faut que tu m'invites par contre, si tu veux que je te rejoigne. Tu m'invites... Non, faut que tu ailles sur l'application Xbox, tu vas sur mon profil, tu fais joindre la partie. Comme tout le monde. Ouais, allons voir alors. Oula, calme-toi le jeu. Oui, ah d'accord, joignable. Oui, c'est vrai, okay. T'as raison. C'est bon, je joins. C'est bon, j'ai fait un joint. Non, ce qu'il faut savoir, c'est s'il a fait... C'est s'il a fait comme nous le... Oui, je veux rejoindre cette partie, hein. Donc, que j'ai créé en plus à la base. Génial. Alors on s'excuse déjà à YouTube, ben ça va être le bordel, mais là tout à l'heure en fait j'ai été obligé de couper, donc vous l'avez la vidéo en deux fois, peut-être même plus, on verra le nombre de fois que vous l'aurez, on verra bien, mais c'est parce que bon, il y avait les putains d'américains de gamins là, de 12 ans là, casser les noix, donc j'avais besoin de tous mes FPS. Voilà, pour les inciter à bien vouloir débarquer du véhicule en mouvement.
c'était formidable. Oh, ce drapeau de la Gay Pride qui tâche, quoi. Sérieusement. Putain. Vous pouvez pas mettre des drapeaux des pays coloniaux, quoi. Drapeau des Indes orientales. Je sais pas, même des drapeaux de guildes s'il fallait, quoi. Drapeau de la Gay Pride, quoi. Un drapeau pour la fête de la musique s'ils veulent, je sais pas. Ouais, j'arrive. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, je me souviens du move. Qu'est-ce que t'as acquis ? Ah oui, pour grimper. Ouais. Voilà, je crois, non ? Voilà. Ok. Ouais, c'est pas... Comment tu fais ? Allô ? Allô ? Ah, là je t'entends. Ah oh, mince, j'ai loupé le saut. Vous entendez tous les deux. Bon, vous savez comment on y va? Oui, on a trouvé tous les deux. Je l'ai trouvé, vous l'avez. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas du même équipage, donc on se met des coups de sabre. Donc, faut que j'y pense, ça. C'est ça. Bon, donc faut qu'on aille poser nos fesses à deux équipages dessus. Je pense qu'il faut le bateau. Quoi ? Le bateau ? Et quoi, le bateau ? Pour y monter. J'arrive à pied ? Ouais, ouais, on peut y aller. Là, on peut y aller. Merde ! Ah, le problème, c'est que je suis pas doué, hein. Hop. Il y avait plus simple, hein, que de passer par là. Ah ouais ? Ouais. Ah bon, d'accord. Ok, statut c'est Solus. Avec la MR Petrol TV. Bonjour. On attend plus que toi, monsieur le PDG. T'as besoin de compenser ou ça se passe comment? De compenser quoi? Là, t'as deux queues dans tes cheveux. Flol. C'est ma coupe de départ. Non, même pas. Non, je crois que c'est la coupe modifiée, c'est celle que j'ai pris du fond de cale, je crois. Oui, parce que... Ou du... Je trouvais que ça allait bien avec la barbe. J'avais une coupe un peu moins calée, un peu moins bien avec. Je vais enlever les cheveux longs, je les repenserai. Yes. Et toi, ça te va bien. T'as bien raison. Ok. Alors, soit tu montais par la poutre, tu montais tout le rocher, et puis tu sautes. Est-ce que tu veux que je vienne faire le parcours avec toi? Oh, c'est bon, c'est juste que je me suis raté. Ok, bienvenue au club. Parce que pour le coup, c'est lui qui m'attendait au départ. On est bien là. Hein. On est quand même vachement bien posé. Hein. Il a pas l'air très très jeune, ce monsieur. Oh, j'en sais rien, moi. Bon, mort, ça va rien dire, Léo. Oh, c'est un homme charmant. C'est très bien. Et il porte un très bon nom, hein. Franchement. Oui, grave. Ça, c'est du pseudo. Ouais. Et ça va l'idée pour nous deux ou... Il faut que tu t'assoies dessus. Parfait. Ah, oh, ça valide pour nous deux en plus. Fantastique. Trop bien. C'est validé, on peut passer au suivant. Ouais. J'aurais dû faire une capture d'écran. Oh mon dieu. Ouais, j'avoue, on a trouvé quelqu'un qui nous tire pas dessus. C'est au fou. Puis il y a un blast qui tue sa mère en plus. Carrément. Oui, carrément, carrément. Ouais, il y avait un baril là-dedans. Non, pas ce côté-là. De côté. On va fouiller l'île hein, tant qu'on y est là, vite fait. T'as vu un baril? Ah oui.
je le vois. C'est bon, tu l'as? Bon, nickel. Oh là là, c'est Bob qui voit les barils maintenant. Dans quel monde vit-on? Non, mais je suis passé par là tout à l'heure et du coup, ouais. Ok, le bateau par là. J'ai perdu le bateau. On a perdu le bateau? Ouais, il est là. Si tu m'avais suivi, tu l'aurais vu. J'ai perdu le bateau. Oui, bah écoute. Voilà. Elle est côté épave, plus. Ouais, côté épave. Vraiment, tu sautais à l'eau là, tu me suivais en fait. Hein. On y était. Alors. Shipwreck Bay, c'est fait. Là où on en a fait un, nous, c'était sur machin keep. Sur le keep. Sur le keeper. C'était lequel, le keeper? C'était plus haut. Je suis du père. Ça devait être la Kraken. Non, c'était pas la Kraken Watchtower. C'était la Hidden Spring Keep. Est-ce que tu as le trône. PDG, est-ce que tu as le trône de Hidden Spring Keep? Non, je l'ai pas fait. Eh ben, on va y faire un crochet vite fait juste pour toi. Et on va te canonner dessus. Fort aimable. Ah, bah, ça avec grand plaisir. La courtoisie française nous y oblige. Ah, il y a ta petite sirène qui traîne dans l'eau, hein. Je sens que t'as pas envie de revenir à ton bateau. Parce qu'elle va me suivre un moment. Il va te suivre un grand moment. Ah, il te manque pas Sniper et Chicken Nuggets là? Enfin, je sais pas comment ils s'appelaient, les mecs. Moi non plus, je les connaissais pas beaucoup. Et les deux cassos qui peuvent passer leur temps à casser des gueules et qui réfléchissaient pas à 5 secondes. C'était bien. Il fait coucou. Ah, c'est... j'ai trouvé le bateau. C'est bon, tu nous as trouvé, Maître Bob. Formidable. Attends, je suis en train de réfléchir, c'est quelle direction par rapport à comment on est placé là. Ça sera nord-ouest. Nord-ouest. On est bon pour contrebraquer à l'infini. Heureusement que je recorde pas parce que je t'entends en écho. Infini. Ouais, je suis désolé, hein. Je sais, c'est infâme. Ah, voici le Maître Bob qui arrive avec le petit baril à 150 boules. Petit baril. Toujours plus. Toujours plus. On aime l'argent. On aurait même pu aller chercher un poulet. Là. C'est vrai qu'on a des cages. Bah ouais, on a des cages. Ah, du coup, tu peux prendre même là-bas en fait, toi PDG, sur un bateau adverse là. Hein. Sans problème, non? C'était la question que je me posais. Je peux quasiment tout faire. Eh bah. Sérieux? Putain, ça. Tu peux jeter l'ancre. Je vais sonner la cloche. Parce qu'au final, il peut prendre les bananes, il peut prendre les boulets, et oui, ouais, bien sûr, il peut tout faire. Faire quoi, aucun problème. Allez hop. Allez, allez, papouette. Donc là, on va où? On retourne sur Hidden Spring Keep pour canonner PDG sur le sommet de la forteresse. Se poser une petite fesse tranquille. Hein. Voilà. Il calait, pépère. musique, messieurs. Papa.
incroyable. Papouette, papy, papouette, et papouette, et papouette. Papouette. Et tout droit. Pouette, pouette. C'est toi qui continue de siffler. Je ne sais pas. Il y a un perso qui siffle dans le jeu, je crois que c'est toi. Ah, c'est possible. Que ça siffle depuis que t'as pris la barre. Ouais, c'est peut-être ça. C'est bon. Ou alors il y a quelqu'un qui siffle. Avec le tambourin. Ah oui, c'est peut-être toi au tambourin qui du coup siffle. Comme le perso de la plage. Ah oui. Excellent. Excellent. Jaloux, il siffle aussi bien que moi. Bravo. Bravo, c'était beau. Waouh. C'est de toute beauté. Toute beauté. Ok. Wow. Bon, normalement, on a marqué strictement toutes bravo. Les îles. Il doit en bravo. Manquer aucune. On n'aura plus qu'à bravo. Suivre le move. Oui, on a compris. Bravo. C'est bon, meurt de décès. Bravo. Toi. Bravo. Ce mec ne sert à rien. Je vous l'ai dit, bravo. Ouais. Ah, je pense que vous pouvez déjà vous préparer à décharger un canon. Pourquoi ? Ah, pour, décharger un canon. Ouais, décharger un canon. Celui de gauche. Bah, je crois qu'ils sont tous dégagés. Ah, non, celui de droite, il est chargé. Wouhou, je suis dans la vague. J'ai gerbé. Ah, c'est la tour juste devant là où il faut qu'il se fasse canon. Faut jeter l'encre. Tout de suite, maintenant. C'est cette tour là. Ouais. C'était pas l'autre à gauche là hein. Non, c'est celle-là. Ok. Ouais, il faut que t'ailles te faire canonner depuis la tour. La tour forteresse là où va Bob actuellement, PDG. Là, celle qui est juste à notre gauche. Juste à notre gauche. Et pas besoin de régler le canon, il est déjà réglé. Voilà, droit devant. À demain. Et ramène-nous à Barry, là. Ah, je l'ai loupé. Ah, attention, il l'a loupé. C'était trop haut ou c'était trop bas? Légèrement à gauche. Il faut que tu tires légèrement à gauche. Ah, il est resté. Non, pardon, légèrement à droite. Légèrement à droite. Ah, c'est le canon que moi j'avais réglé. Oui, je l'avais réglé, je te rappelle, je me suis tiré de là. T'as fait comme moi, t'es passé juste devant. Alors, quoi. C'était l'autre. Oui, donc c'est toi qui avais raison en fait. Ouais, c'était bien l'autre. Donc légèrement à droite le canon. Bonne chance, monsieur. Dessus, bordel de merde. Ah. Ok, c'est parti. Tu y arrivais. C'était trop à droite. Il est passé à côté. Ouais.
Sinon, rabats-toi sur l'autre tour qui doit se situer. Là où je vais. C'est côté. Qui doit se situer sud-sud-ouest. Sud. Ouais, plein sud. La tour plein sud. Cette logistique incroyable. Bon, bah, je vais venir voir du coup s'il n'y a pas un nouveau un baril. Hein. J'en ai pas recroisé. Ah, oui, non, c'était juste ça, tac. En même temps, si les canons sont toujours réglés pareil, à mon avis, il n'y a pas plus de barils. Hein. Il est mort ou quoi? Non, non, il arrive, il fait le tour. Ah. C'est bon, go plein sud, hein. Go plein sud. Plein sud, t'as un... Non, non, mais reviens pas là-dessus, sinon PDG, t'as un canon qui est directement réglé sur l'autre tour. Sud. Là où je suis. Yes, là où y'a Bob. Lui, c'est celui qu'il avait pris de base, le canon était déjà réglé, nickel. Enfin, tu vas te faire bobo au doigt, mais... va te casser une guibole, mais ça va être bon. Ah, t'aimes mes descriptions, hein. Normalement, c'est trop ça. Tu kiffes. Sans que ça motive, t'as envie de le faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est, tu te dis, le mec, tu le connais pas. Youhou ! Ouais, c'est bien celui-là. C'est confirmé, c'est celui-là. Maître Bob atteste de la qualité du service. Ah. Attention, ça va cogner. Allô, allô, remercie. C'est bon, ça a cogné. Ça cognera plus. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà, nickel, nickel, nickel. Pourquoi il a touché? Je ne sais pas, parce que, pourquoi pas. Je pense qu'on doit prendre l'eau. Ça va, ça va. On prend l'eau, mais ça va. Essayez de prendre des planches, tout ça, un peu. Parce que du coup, normalement, les autres comptes nous ont piqué des obus, tout ça. Pour faire un peu de plein. Nice. Refaisons un peu de plein. Aïe, oui, aïe. Pourquoi ça fait glitch? Plus rien. Ah oui, fait pas chier. Ok. Moi que je me prépare à aller sur l'autre. Ok, donc celui-là c'est réglé. Le prochain c'est Smuggler Blade. C'est tout en haut. C'est genre nord-nord-ouest. Ok. Comment ça va avoir faim? Ah bah oui, c'est normal. Comment ça va plus que moi, lui? Comment ça? Ok, prochaine destination, Smuggler Bay. Smuggler... Enfin ouais, truc en baie. Ça va toucher. Ça va, ça va, ça va passer. Ça va toucher. Ça va, ça va, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe 15 fois. On va toucher, oh. Elle a pas touché, oh. T'es dégoûté? T'as le droit de pleurer, vas-y, je t'autorise. C'est pas très viril, c'est pas très musclé, mais je t'autorise. Ouais.
Smuggler Bay, normalement nord-nord-ouest si je dis pas de conneries. Nord-nord-ouest. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Faut passer à droite de l'île. Ouais, c'est ça, on passe à droite de l'île et puis je vais me rabattre un peu plus à gauche, ouais. Plus nord, plus nord-ouest. Ok. C'est bien, ça. Tu t'es mis en chat vocal permanent, c'est ça? Ah non, pas du tout. Je fais du push to talk là. Ok. Ça push et ça talk, c'est génial. Et ben voilà une belle aventure. C'est beau le Club Med. Push, push. Ouais, c'est nickel le Club Med. Oh là là, Air Caraïbes. tout ça, trop yamb. Si on m'avait dit. Où? Ah oui, exact. De l'autre côté de l'île. Voile rouge. Voile rouge? Où ça? Ouais, à ta gauche. De l'autre côté de l'île. Ah, je les ai pas vus. Sloop ou... On peut les voir. C'est un drapeau pirate en plus. Non, comme nous. Je vois un navire. On a l'avantage numérique. Bah, par contre, s'il meurt, on le retrouve plus jamais. Ouais, c'est ça. Donc on va éviter de se les friter. Puisque si tu meurs, après pour revenir, ça va être compliqué, quoi. Derrière l'île. Ah oui. Si je meurs, on se revoit plus. Hein. C'est... Disons que c'est compliqué. Hein. Il va falloir que je cherche un galion avec des voiles noires, ça va être chiant. Ah oui, il y a déjà une petite voile. Ouais, il a qu'à, hein. Il doit bosser. Hein. Tranquillement. Ok, bah nous on va sur la grosse île droit devant. Incroyable. Ce qu'on fera, c'est que je resterai à bord et puis vous débarquerez tous les deux pour essayer de le trouver, le trône en question. Les petits trous, j'aime bien ça, moi, les trônes. C'est le mec qui fait sa DOD et Game of Thrones. Reste à bord, il fait rien. Ah oui, bon, alors sinon tu restes à bord et moi je débarque. Parce que c'est vrai que comme VOD, elle est bien pourrave, hein. Génial. Sans que je me fous pas du tout de la gueule de ton tube. Quel tube? Quoi? YouTube, ton tube. Je ne t'entends pas, moi. Hein? Ouais, il est trop bizarre, ce garçon. Je sais même pas pourquoi je te parle. Pourquoi je te parle? Ah oui, parce que t'es dans le même équipage. Enfin, c'est pour ça. Après, c'est compliqué de te comprendre en écho, hein, donc... Ok. Je vais te cacher. Désolé. Des barils. Bon, maître Bob, je te laisse là-bas. Vas-y. Hein. Là, normalement, j'ai mis de quoi compenser le fait que les vagues nous tournent ou nous détournent. De toute façon, on n'a pas de préférence sur le... Ouais, de toute façon, on sait pas où c'est. Bah non, on sait pas où c'est. Hein. On va laisser le trouver. Même si j'ai une petite idée, là, je me dis que ça doit être sur le pic rocheux, peut-être. Bah, globalement, c'est en hauteur à chaque fois. Donc, Ah, ça se pourrait, oui. Oui, ça se pourrait grave. Il est monté à la vigie, peut-être qu'il est en train de regarder. Que voient vos yeux d'elfe, PDG? Allô? Que voient vos yeux d'elfe, PDG? Je vois une île. Ah, ah, bonne nouvelle! Parce que moi je voyais un gros caillou. Je m'aventure entre les deux rochers ou pas? Allez, vas-y, entre dans la crique, hein. Si tu le sens bien, tu rentres dans la crique, mais si tu le sens pas, rentre pas dans la crique. Hein. C'est toi le patron, patron.
sens bien le trône de l'autre côté du coup. Ouais, du coup, ouais, je vois bien aussi. Peut-être sur la crête rocheuse droit devant. Ah! Oh, ça nous touche ça! Non! Faux! Ça nous a pas touché! Pas encore! Non. Toujours pas! Vous êtes mauvais, Jack! Monsieur Jack, vous êtes mauvais! Non, c'est très nul! Bah, faux! Hein, faut viser mieux, hein! Bon, va falloir qu'on aille le détendre. Je les sens. Je vous laisse les réparations parce que visiblement vous avez été touché. Deuxième tir en pleine poire. Attention, attention. On a touché, y'a rien de cassé. Franchement, je sais pas, il nous touche. Fais gaffe, ça fait peut-être un trou à l'arrière, on sait jamais. Non, ah, je te dérange, toi. Bon, tu l'as eu. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, allez, monsieur le PDG, vous êtes où? On y va. En avant toutes. Il y a la sirène qui est là encore. Et quoi? Ah oui, bah oui. Ah, squatte le coin, hein. Elle est assez fan, hein. Est-ce que je tenterais pas de monter sur la crête rocheuse dans un premier temps? Éventuellement d'ailleurs, Bob, si tu veux trouver un poulet sur terre, doré, si tu veux pas t'emmerder, si jamais tu t'ennuies, tout ça. Okay. Pourquoi je peux pas aller en Ken? Ça c'est nouveau ça, ça y était pas. Ils ont aménagé l'île un peu. Pourquoi je peux pas aller dans le canon? Pourquoi c'était là? Genre je peux pas aller dans le canon quoi. Celui-là oui, l'autre non. Faut avoir des boulets pour se faire éjecter, c'est ça? Non, faut enlever le boulet. Ouais, je sais. Et après, pour te faire éjecter, faut que tu appuies sur R en regardant le bout du canon. Ouais, oui, bah tout ça c'est indiqué, on est d'accord, mais okay. Là, s'il n'y a rien indiqué, je peux pas le faire. Sinon, j'en parlerai pas. J'ai rien trouvé pour l'instant. Y a des poulets, tu m'as dit, alors? Ouais, poulet serpent, tu sais. Poulet doré, de préférence, hein, monsieur. Ouais, on peut pas dire. Y'a pas de trou. I am the king of the world. Bien vu. T'as réveillé des squelettes. Ils ont fait chier. Ça y est, tu les as emmerdés. Ils faisaient leur sieste, tout ça, tout ça. C'est pas cool. Je descendrai bien pour voir, parce que du coup, il va pas être en hauteur, ce trône. On va voir s'il n'y a pas une caverne quelque part. Est-ce qu'ils sont allés le cacher, bordel?
Bonjour maître Bob. Des pop les est-ce que. Ah ouais, j'ai vu, moi aussi je l'ai vu des pop. J'avoue, c'est rigolo. Alors oui, donc ce trône. On va faire un petit tour de l'île complet, hein. Ça a l'air bien parti. Ouais. Ah, j'ai trouvé des poulets de mon côté, si tu veux. Yes. Bah, tu continues le tour de l'île et à un moment donné, tu vas tomber, il y a deux poulets dorés qui s'emmerdent. Okay. Alors, t'as trouvé quelque chose, PDG ? Quelque chose en vue ? Bah, moi rien, et toi ? Ok, bah écoute, je vais continuer à chercher, je vais me rabattre sur le. L'intérieur de la crique, là, voir s'il n'y a pas une grotte. Ça m'étonne qu'il y ait aussi zéro grotte. Ah, il y a même un serpent, tiens, noir ici. Serpent noir. Ouais, serpent, j'en avais deux déjà. Je voulais que dalle. À part ce que tu m'as dit. Ah, une grotte là, plein centre là. Tac, 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 tout ça, ça monte. Si, si, il y a une grotte là. Ok, je vois que dalle. Non. C'est pas dans la grotte. Calme-toi la poule. Ah, un autre serpent. Et la poule tire. T'es en train de monter là. Ouais. Genre, y'avait rien. Non, je vois rien. Hein. J'ai rien trouvé. Hein. Je suis choqué. Et la poule, fait la poule tire. Peut-être ça, hein, faire la poule. Et tu verras. Je reviens. Alors, il n'y a pas de grotte sous-marine. Bon, t'as rien trouvé non plus là, toujours pas ? Ah, toujours rien, hein. Putain. J'ai regardé dans la grotte, j'ai rien trouvé non plus. Ah, je t'entends plus. Tu disais. Ah, il est parti. Parti ? Non, il est parti, faut continuer à fouiller. Petite pause paysage, je reviens tout de suite.
Ouais, visiblement, je me fais taper le cul. Je suis mort. On est sur Smuggler Bay, normalement. Et vous ferez attention, sur la pointe où j'étais, il y a des squelettes. Ah, il y a un potatoes qui est apparu. Des gens qui meurent. Des gens sur le serveur. C'est dingue quand même. Non mais ils l'ont planqué dans un recoin entre deux arbres. Je le sens gros comme une montagne. C'est bien. Foutu leur trône débile là. Ouais, je suis full stuff. Patience est une vertu. Ne jamais l'oublier. Tout dans le jeu là. C'est bien la bonne île, on s'est pas bourré ou. Bah, je te laisse vérifier. Pendant que je suis passé sur le bateau. Dans la phase de doute là. Bah, ouais, pareil, hein. En train de me dire, mince, comme un alcoolo, je me suis gouré. L'île, c'est bien. S'il va bien me l'ouvrir. Smuggler's Bay. Smuggler's Bay. Si jamais, jamais tu retournes au bateau entre deux. Ce que je vais faire. On sort passer là où je suis passé. Je fais la technique du zigzag. Je scanne la zone. Je trouve rien. Ou alors c'est vraiment sur ce rocher qu'on peut pas monter. C'est pas celui-là. C'est pas là. C'était pas là non plus que je voulais tomber. C'est pas grave. Je vais remonter. Allez, longue phase. Et longue phase d'emmerdement. Maximal. Tati tati tout tati tout.
ce décor-là, que je connaissais pas. Est-ce que c'est dans les environs de ce décor-là? Hop là, j'ai rien vu. C'est moi, il y a un squelette qui s'est remis à tirer. C'est un squelette qui tire ou c'est un squelette qui tire? J'y vais. C'est bon, il tire plus. C'est bon, je l'ai calmé. T'es envoyé à l'autre côté de l'île ou... De quoi? Non, ça a pris tellement long. Alors, c'était quoi le nom de l'île déjà? Smuggler's Bay. Smuggler's Bay. Roulement de tambour. C'est bien la bonne. C'est pas chier. Sous un arbre, une connerie, entre deux palmiers. Voilà, franchement, quoi, tu prouves que tu m'appelles, quoi, parce que... Je te crois, ouais. Enfin, normal, j'ai envie de te dire, mais... Je vais scanner la zone, quoi. Ou alors, on a loupé une grotte qu'on n'a pas vue, ou... Donc, comme ça, quoi. Mais je crois qu'il y a qu'une grotte, quoi. Oui, c'est ça, moi aussi, j'en ai... C'est ça que je me dis, là, elle est vraiment... Je l'ai pas vu entre deux cailloux, donc elle va être plantée entre deux palmiers, dans un tas de broussailles. Bah pourtant, justement, j'ai fait tous les espèces de végétation bizarres. J'ai même essayé de rentrer dans des falaises, quoi. Donc, Ah d'accord, oui. Ouais. Allez, tu sais, là, t'as des falaises ou t'as des comme un peu de la mousse ou du lierre, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Il peut y a un passage secret, tu vois. Oui, oui, t'es dit derrière ça, c'est il a caché un truc, quoi. C'est ça, on sait pas. Et non, c'est des vrais murs, quoi. C'est ça. C'est des vrais murs. Et voilà, je l'aurais plus vu sur ce rebord de falaise là, puisque tu peux jauger toute la hauteur du truc et du machin. Raté. Merci du coup de main. C'est de tuer les squelettes sans se tuer. Oui, c'est ça, c'est le plus compliqué. Hop là. Bon, un peu chiant là. Donc, sur ces deux fameux cailloux sur lesquels on peut pas monter, de toute façon, on voit rien. Y'a rien dessus. Tabouret, mais petit tabouret quoi, c'est pas un trône. Plus chambre ou pas, hein. De quoi? Si t'as... Non, je viens de me percevoir qu'on m'a envoyé un message il y a 10 jours. Il y a une heure. D'accord. Ça passe vite. Mais non. Mais non, revenez sur le bateau. Hein? Et amène ton pote. Bah, dis-lui en haut-parleur. Maître Bob veut qu'on rejoigne le bateau. PDG, go bateau. Quoi, tu l'as vu? Il est où? Il est où? Aux alentours. Mais pas sur l'île même en fait. C'est une blague.
c'est juste la bulle. Non, c'est pas une blague. Je crois que c'est pas une blague. Ouais, c'est ça. Hein. Putain, c'est tout à l'abus, quoi. Ça, tu vas péter un câble, hein, quoi, tu vas savoir. Je te dis direct. Vas-y. Je vais mettre sur la carte, même, tout de suite. Quoi? Viens voir. Sérieux? Alors, il est à peu près par là. Voilà. T'es pas sérieux? Super, hein. Comment tu sais? Ah, je suis ultra sérieux. Et comment tu sais? Je suis devant dans le métier. Ah, t'es allé shit? Bah ouais. Quand je te dis que j'ai scanné l'île, c'est que voilà. Ouais, on a tout scanné l'île, quoi. Voilà. Ok. Donc, 3 à scanner l'île au bout d'un moment. PDG, ramène-toi! Retour sur le bateau! Se trouve, il est mort. Allô? Retour au bateau! Et puis quoi? Oui, il s'énerve. Non, mais je suis pas sûr qu'il m'ait entendu. Au moins là, il va se poser des questions. Il va se dire qu'est-ce qu'il tire, quoi. C'est ça. Retour au bateau! On lève l'ancre! Allô, allô! Allez, manger. Techniquement, s'il meurt, la sirène. Tu sais quoi? J'ai pas tout perdu. Je vais aller chercher un serpent. Nique sa race. J'en ai pas perdu une heure à tourner en rond pour que dalle, quoi. Non, mais comme quoi le jeu il est trop abusé, quoi. Quand même. Ouais. Là pour le coup. Là c'est une presqu'île à l'écart de l'île. Non, mais pose-moi ça, connard. Donne-moi ça, là. Voilà, joue trois notes de merdier, là. Et le serpent, là, il est cotant. Allez, viens, ramène ta tronche, toi. Ouais. Prends un peu l'eau fraîche. Des jambes de bois. Bah non, je le vois pas. On embarque. Vas-y, reviens. On l'a trouvé. Et viens pas à l'avant, j'ai mis un serpent, fais gaffe. Ah oui, j'avais oublié qu'on avait le... Oui, mais ça, je suis pas sûr qu'il nous voit du coup l'écrire. Bah oui. Donc j'allais chercher un deuxième serpent. Bah écoute, celui sera le temps d'un deuxième serpent. Bah si tu veux. Allez go. Non mais là pour le coup je pense qu'il est vraiment mort, quoi. Non non, il est là, il arrive. Ah tu l'as vu? Ouais ouais bah oui. Donc bon attends, je reviens, vas-y. Vous allez arriver sur le bateau là en même temps que moi, ah, normalement. Oui, nice. Excellent. T'es sur les chaises. Oh putain ça. En fait c'est... Oui, serpent. Ah oui, je t'avais dit qu'il y avait un serpent, hein. Je me suis pas foutu de ta tronche. Alors, en fait, Maître Bob a eu une vision divine, une révélation divine qui lui a dit où c'était. Une révélation de son dieu qu'on appelle le shit. Donc il va nous amener au caillou sur lequel visiblement il y a le trône. Le trône de bois. Le trône de bois flotté. Tu voulais que je vous réduise de la voilure, Maître Bob, ou pas? Pour tourner. Non, c'est voilà. C'est de ce côté-là, t'es sûr? Tu fais tout le tour, là. Ouais, ouais, c'est... D'accord. Ok. Si là-bas, là, t'as des tentes, on vient de scanner une à 3, ça nous place après, je crois. Ouais, c'est mon point de vue.
Non, mais bon, si tu veux qu'on les enchaîne tous, voilà. Trajectoire optimale. Voilà. Wow. En train de calmer les serpents. Ouais, tu vois le caillou là-bas? À droite devant, là? C'est lui? Ouais, il faut aller à sa gauche. Google, je charme le serpent. Incroyable. Et oui, c'est bien le tambour qui siffle, puisque là, t'es tout seul à jouer, je t'entends siffler, ouais. Donc là, tu veux qu'on aille à la gauche de ce... De quoi? Ouais, c'est ça, c'est le canon qui fonctionne pas pour moi. Me dites pas que c'est ce rocher, là. Si, si, c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce caillou de merde. On peut canonner dessus, sinon on peut pas monter dessus. On n'a pas le choix. C'est les coquins. T'es sûr que c'est pas l'autre encore de gauche? Bah, je vais te dire ça. Parce que vu où t'as mis ta croix, je pense que c'est plutôt l'autre. Ah bah, ça doit être l'autre alors, mais pourtant. Pourtant, il a l'air de leur ressembler. Est-ce qu'il y a un trône dessus? Ouais, c'est l'autre, t'as raison. C'est l'autre. Parce que là, je veux pas être méchant, mais il faut vraiment avoir du skill dans ces cas pour se poser dessus. Mais c'est l'autre d'en face ou c'est l'autre encore de gauche? Non, d'en face. D'accord. Il est toujours à sa gauche, ouais, je... À sa gauche ou à sa droite? Je ne sais pas trop. Je dirais que c'est plus celui de gauche, parce que là, il y a vraiment rien encore pour atterrir sur celui-là. Hein. Tu peux nous confirmer l'information? Tu veux qu'on se tire dessus? Tu veux que je me tire dessus? Ah non, fais le tour. Oh, regardez. Ah, tu veux que j'aille dessus? Ça se passe comment? Je te l'ai géré. Ah non, fais le tour. Je te l'ai géré. Ah, on peut monter dessus tranquille peut-être. Ah oui, il est là. Tu peux jeter l'ancre, redresse et rejette l'ancre. Je crois qu'on est obligé de se canonner, je vais aller voir. Mais... Ouf. Ouais, mais par contre, oui, il va falloir nous redresser, maître Bob. Parce que là, je peux pas nous tirer dessus. Moi, je suis à l'eau. Ah, d'accord. On est en train de vérifier si on peut pas y aller de manière normale. Non, on ne peut pas, je confirme. Si tu pouvais tourner à droite, pour le coup. C'est moi qui ai un nom de droite, je peux pas l'utiliser. Je ne sais pourquoi. Stop. On peut jeter de canon, tu me diras, c'est sûr. On est peut-être limite trop près, je crois. On va voir. Coupé. Faut attendre la bonne vague. Alors que l'arfang il va à l'arrache, ça va du premier coup. Bah non, j'ai calculé. Que crois-tu? Oh, je crois que c'est dessus. Au revoir, maître Bob. Oh les gars, picoler ou viser, il faut choisir. Hein. Hey, PDG, tu pointes ou tu tires? Oh, tellement long. T'as tellement pas l'impression, t'as tellement l'impression de pas avancer. Eh ben là, PDG, tu pointes ou tu tires? Ça a l'air compliqué. Ah, oh, puis je vais croiser 10 millions de requins avant d'arriver. Sûr. Bah alors PDG, elle est trop courte ou quoi? Je suis un connard. C'est génial. Alors c'est marrant parce qu'à travers les vagues, je vois à travers le rocher l'ombre du bateau. Ah, c'est intéressant.
Ah, c'est technique, hein, mais... Oh là, ce marin qui pèse dans le game, quoi. Ah, formidable. Tellement génial. Vas-y, viens poser ton boule à côté de moi. Ah, y'a ta sirène qui est arrivée en plus. Y'a ton Uber. Vas-y, tu peux te poser. Non, bah non, justement, j'aimerais voir si ça te l'a débloqué pour toi ou pas, Bob. Bah non. Non, ah bah écoute. Bah si. Bah faut qu'on attende Maître Bob. Bah oui, mais bon, vu que c'est un membre. Enfin, c'est un membre d'équipage différent qui doit s'asseoir dessus, je voulais savoir si ça le débloquait pour tout l'équipage ou pas. Et donc, non, il faut qu'on attende Maître Bob. Ceci dit, moi je peux déjà rentrer. Hein. Tu peux rester là, PDG. À plus tard. Il est trop long. Vas-y, à tout de suite. Non, mais putain de jeu de merde. Et moi je suis obligé de rester là. Il est pas assez. Voilà, je suis parti trop loin. Jeu de merde. Ah, ta vie c'est de la merde. Je rebondis sur des rochers. Lol. Non. C'est le même moteur, c'est pour ça. L'abus. Quel esquive. Ouais, décharge-moi ça en fait. On va tout ranger ici. Allez-y, Maître Bob. On vous regarde. Moi j'y crois à mort, Maître Bob. Évitez de rebondir. Au moins, je suis pas parti à l'autre bout du monde. Caramba. Ah ouais, avec la houle et tout, c'est chiant. Ouais, c'est ça. Un jour, il y arrivera. Ce sera beau. Le monde en rêve. La France veut le voir. Vive la France. Maître Bob, vous représentez. Si, si. Feu. Voilà. Oh, au revoir, Maître Bob. Oh, Maître Bob, tu pointes d'où tu tires. Je tire. Ah, c'est un peu aussi. C'est trop haut aussi. Comment ça, c'est trop haut? Je te le règle un peu. Non, mais ça dépend juste de la vague, mec, y'a pas de réponse. Ok, mais non, si je te l'ai réduit un peu plus bas, tu verras. Re. Ah, je voulais voir que c'était pas le canon qui dysfonctionnait en fait. Maître Bob, c'est pas le canon qui dysfonctionne, hein. Attends, t'as pas si dû. C'est le joueur. Je pense qu'à un moment donné. Ouais, j'en ai marre de l'attendre. Allez, bonne nuit les mecs, hein. Salut. Ah, Maître Bob, vous faites un copain, hein. Y a un copain qui vous poursuivait, hein. Sur qui le PDG est en train de tirer. Il est là. C'est là? T'es bon? Bon, ouais, c'est bon. Nice! Il aurait endormi le mec. Bravo. Tu peux t'asseoir, Maître Bob. Ah bon? On s'assoit pour Bravo. Valider. C'est... Ouais, ah, je peux merci. Pas le valider une deuxième fois? Ah bah non, c'est dommage. Non, aucun, t'as pu. Oh, ouais, bon, vous en avez tous un, hein. Alors, smuggler de merde, c'est fait. Ensuite, plein est. Plein est, messieurs, plein est. C'est où la prochaine? Plein est. À fond à l'est. Sud-est, faudrait que je fasse un petit crochet à gauche. Voilà, c'est pas mal.
Bon. Bon bah YouTube, hein, je vais épargner à YouTube tout ce voyage grandiloquent, fait de musique, d'aventure, de pirates, et tout ça. Ouais. Et de sexe. J'ai pas entendu la fin. Et quoi? Et de sexe? Ah bah oui, de sexe, évidemment. Hein. Hissez le drapeau gay, maître Bob. Non. Donc, cure moustache en off, et on se retrouve sur la prochaine île. Hein. Des bisous.